Bonjour, bonjour, ça marche. Pas mettre la musique trop forte. Salut Docteur Pi. Eh bien, on se retrouve pour le live du samedi, hein. On est ensemble jusqu'à... Ouh là là. Jusqu'au petit cube. Alors, première partie de live, on va jouer, on va faire du dessin. On va faire du dessin 3D. On va se faire une petite locomotive pour... pour Immersive Railroading. Donc dans l'ordre logique, nous on doit faire une Crampton, qui sont des locomotives, les premières locomotives un peu de vitesse, donc des locomotives pour les trains de voyageurs sur la Compagnie du Nord dans les années 1850. Vers 16h30, je pense, on fera une pause goûter. Et puis on ira dans Minecraft, dans Techtopia Railroading. Pop, 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 pop. Bon, et du coup, comme il y en a quelques-uns qui sont intéressés pour savoir comment faire une loco dans Immersive Railroading, on va refaire tout le... Salut Kiam. On va faire tout le début. Depuis un blender vierge jusqu'à la fin. Alors, il va falloir plusieurs épisodes, je pense, hein, parce que je suis pas du tout un spécialiste de blender. Loin de là. Hop. Allez, on a des bazars qu'on va supprimer là. Ça et ça, on les supprime puisque nous on va pas faire de rendu. Le cube, on va peut-être se le garder. Alors moi j'ai déjà des objets, surtout pour les roues par exemple, j'ai déjà des objets qui sont faits puisque j'ai déjà fait des wagons, des locomotives et tout ça. Mais bon, c'est pas compliqué, donc je vais pas refaire tout depuis le début, hein. Bien entendu. Alors on va se créer déjà le fond. Donc l'image que je vous ai montrée là, hop, on va la mettre en fond. Alors on va essayer de la mettre à l'échelle. Le problème, c'est que j'ai aucune mesure pour la Crampton Nord. Je n'ai que cette photo. Pas de photo, pas de plan, pas de vue de dessus, pas de vue sur les côtés, pas de coupe, et aucune mesure. Je sais juste que la roue fait 2,10 m. Alors j'ai une photo où j'ai été dessiner la roue. Et merci. Salut Monsieur Underaznov et merci pour tes 5 bits. Kiam me dit, ouais, merci pour ton message, mais bon, oui, peu importe l'âge, hein. Pour info, dès qu'il y a eu des ordinateurs, j'ai commencé à jouer avec, hein. Donc ça commence à remonter un petit peu, hein. Donc on va prendre cette photo-là en fond parce que moi je me suis à peu près redessiné la taille de la roue. Alors on voit pas tout, elle est tronquée là en dessous, mais je l'ai un peu reconstitué. Et le diamètre ici fait 2,10 m. Alors il y a eu plein de modèles de Crampton, hein. Les Crampton, c'est des machines, c'est un type, c'est des machines avec une grande roue motrice complètement à l'arrière et deux essieux. Pour supporter la chaudière juste devant. C'est donc un type 210. Salut Oliver Dark. Parce qu'il y a deux roues. Alors, 210 dans la codification française. Et selon les pays, on les code différemment. En France, on compte les essieux. Donc, on compte les essieux moteurs, c'est le chiffre du milieu. On compte les essieux avant les essieux moteurs, c'est le chiffre avant. Et puis, on compte après les essieux qui sont derrière l'essieu moteur, le ou les essieux moteurs. Et là, il n'y en a pas, donc ça sera 0. Donc c'est un type 210, 210, pour ce qui est de la France. On s'aperçoit tout de suite aussi, petite chose rigolote, c'est que les deux essieux qui sont chargés de supporter la chaudière et puis tous les engins n'ont pas la même taille. C'est rigolo. Salut Ottawa. Non, c'est pas le même modèle sur lequel je travaillais il y a quelques semaines. Hein. Quelques semaines, je travaillais sur une 0,30. Une 0,30, donc pas d'essieu devant, trois essieux moteurs et pas d'essieu derrière. C'était une locomotive de marchandises. Donc là, on est parti. Les Crampton, c'est des machines rapides. Elles pouvaient atteindre
Le 120 km/h, il a d'ailleurs même fallu remonter les autorisations parce qu'à l'époque où elles ont été produites, c'était limité. Les locomotives n'avaient pas le droit de rouler à 120. Et donc, elles ont été, celles-là particulièrement, parce qu'elles étaient bien stables et autres, elles ont été autorisées à rouler à. Elles ont été autorisées à rouler à 120. Ce qui était leur vitesse. Alors c'était pas forcément la vitesse max, mais une vitesse qu'elle pouvait atteindre. Je sais plus où j'ai les trucs. En moyenne, un train de voyageurs, elle le tractait en palier à 96 km/h. J'ai chaque quelque part dans mon bouquin. Donc. Alors nous on va faire la première série de Crampton, qui a été faite pour le Nord. En 1848-1849, ils ont fait une série qui a été numérotée 122 à 133. Et on va faire la 126, parce que la 126, elle a figuré à l'Exposition universelle de Paris en 1889. Tu l'as pas vu fini, la 030, Ottawa? Save change. Oh bah non, on va pas sauver. Donc là, la 0,30. Alors le bord est un peu haut en fait par rapport à. Salut Gilles. Avec la texture. Alors ça, c'est typique à immersive, hein. C'est le côté droit de la locomotive qui est bon au niveau de l'embiellage. L'embiellage doit être mis des deux côtés complètement sur l'arrière. Du coup, ça fait un peu bizarre parce que les roues, elles doivent être mises à 90 degrés. Clac, clac, clac. Mais ça, c'est propre à immersive railroading. Bah donc, on va se faire la Crampton. Donc, fichier nouveau, général. Allez, je resupprime ça. Hop. Et puis, on va donc se créer. Je suis en mode objet. On va se créer. Alors, ouf, les commandes. Oh vache, ça fait un moment que j'y ai pas été. Shift A. Je veux une image en background. Donc. Oula. Ça y est, j'ai retrouvé mes petits. Locaux 210-126. Voilà. Donc on va prendre celle avec le comptage des rayons. Hop. Tiens, c'est la. Ah ouais, ok. Bon. Il faut que je me mette dans une vue bien particulière, donc la vue 1, par exemple. C'est-à-dire la vue de profil, et là je peux rajouter mon image background. Donc je veux celle-là. Alors il va falloir se la remettre. Ah bah tiens, celui-là je pourrais ouais, faire disparaître pour l'instant. Alors, petit G. Donc. Ici, d'ici à ici, ça fait 1 mètre. Donc ici, ça fait 2 mètres, plus une case. Donc 21 cases, ça fait 2 mètres 10. Donc la grande roue fait 2 mètres 10. Après, ils ont sorti des Crampton sur le nord avec des roues de 2 mètres 30. Mais très vite, ça devait pas être tip top parce que les séries suivantes sont revenues à 2 mètres 10. Donc 2 mètres 30, ça devait bien, 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 bien pétouiller. Alors ça c'est la première série, donc on va se faire celle-là de 122 à 133, on se fait la 126 qui a été... Alors, elle était encore en service en 1889,
alors qu'elle est rentrée en 1849, donc elle a circulé pendant 50 ans, et je crois avoir lu que quand elle était en 1889, quand elle a été à l'exposition universelle, alors j'ai ça quelque part, elle avait parcouru 1 101 425 km. Plus d'un million de kilomètres elle avait parcouru cette locomotive. Bon, donc on va augmenter sa taille. Ce qui serait bien, c'est que je la mette au milieu, mais il va pas y rester aussi. La coquinette. C'est pas grave, on va augmenter jusqu'à ce qu'on soit 2 mètres. Ben là, on est à 2 mètres. Puisqu'on voit le trait qui est ici. Salut Carcosian! Donc là, on est un peu. Hop, hop. On doit être à 2 mètres 10 là. À peu près, hein. Je vois. Hop. Ouais, ça fait le milieu ici. Donc le 1 mètre est ici, 1 mètre 5. Donc ça fait 2 mètres 10. Voilà, j'ai mis mon fond de référence à jour. Alors j'ai récupéré des plans, alors d'une autre Crampton, mais c'est pour avoir c'est une Crampton de l'Est. Bon, elle se présente un peu comme ça. Elles sont un peu toutes dans le même style, hein. Sauf que ça c'est une de 2m3. Alors c'est pas ce plan là que je vais utiliser, mais j'ai les plans. Ah, je les ai pas pris. Oh, je suis bête. J'avais une vue de côté et une vue de côté. J'avais une vue de côté. Ah zut. Zut, zut, zut. Je vais essayer de la retrouver. Salut Sinjor. Crampton Est. Plan. Bon, c'était ça que je cherchais, hein. Donc ça donne une vue sur le côté, même une vue du tender, ça donne les largeurs, ce qui est toujours appréciable pour avoir une idée, même si ça ne correspond pas à la même locomotive. Alors je vais enregistrer l'image dans Crampton Est côté. Hop, c'est enregistré. Hop, ça c'est parti. Salut Philbur. Je crois que je t'ai déjà dit bonjour, toi. Ah oui, il va falloir aussi que je la remonte, puisque c'est le trait rouge. C'est le trait rouge qui fait office de sol. Alors en fait, pop, voilà. Alors si après on veut la mettre au milieu, en fait, GX. Hop. On fera deux fichiers, un fichier pour la locomotive, un fichier pour le tender. Comme ça après on va exporter, hein, pour pouvoir l'utiliser dans Tectopia, il va falloir faire un export au format wavfront.obj. Donc pop pop. Tout bête. Salut Albubu. Donc installez-vous calmement, on y va doucement comme ça jusqu'à 16h30, je ferai une pause goûter, et puis après on ira dans Minecraft jouer avec les chouchous qu'on a déjà fait, parce que celle-là elle va pas être faite tout de suite, hein. Vous connaissez, je travaille lentement, tout ça. Alors 12-12-20-12, vous vous demandez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? 12-12-20-12. Bonne question. Tiens, je vais me prendre un premier petit thé. Salut Grégard. Ouais, on se fait une Crampton. 1849.
On se fait la 126 qui a été exposée à l'exposition universelle de Paris en 1889. Bravo Carcosian. 1812. Marignan? Non, Waterloo Morne-Plaine? Ça doit être plus proche de Waterloo Morne-Plaine que de Marignan en 1812. Hein. Bon, c'est le nombre de rayons. Ça promet du lourd. Ah zut. Shift. Shift, molette enfoncée, clac pour déplacer. Donc j'ai regardé les rayons. Hop, 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 hop. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 multiplié par 4. Donc là, c'est une grande roue à 20 rayons. Ici, c'est une petite roue à 12. 1, 2, 3. 3 fois 4, 12. Et toutes les autres sont à 12 en fait. Pour le tender, c'est pareil. Bon, là, les tenders, les deux sont identiques. Hein. Alors, c'est un petit tender de 7 mètres cubes hein, de flotte. Waterloo, c'est 1815, là, tu vois, j'étais pas loin. Bah donc, allez, c'est parti. On va se faire une roue. Alors, j'ai quelque part, moi, file append. J'ai une section de roue. S'il est pas. Ah, si, c'est objet Blender. Hop, voilà, c'est bon. Donc c'est dans mes objets trains divers, j'ai un fichier .bland où je stocke tout plein de morceaux de locomotive. Et je crois que... Alors je l'ai mis ça dans où? Après j'ai des roues... j'ai pas mis le nombre de... roues motrices une bielle. Diamètre 1m26. Ça c'est les roues de la 030. Non mais j'ai écartement intérieur des roues, ça doit être ça. Non, ça c'est un bloc qui fait la largeur. Coupe roue, voilà. Hop. Il a été se mettre là. Hop hop hop. Donc c'est une coupe. Une coupe de roues. Bah, si je me mets en 3. Voilà. Avec le petit. Donc la partie qui roule sur le rail, et là la partie. La petite partie qui. Bah, qui empêche la roue de sortir du rail. Donc c'est juste un truc plat. Bah il est où? Ah il est là. Juste un truc plat, et je le fais tourner à la bonne dimension pour. Pour que ça me dessine le tour de la roue. Alors le tout est bien déterminé, le nombre, la dimension à laquelle on doit être. Ça je vais l'effacer, ça m'énerve. Donc je vais me mettre là, je vais reprendre le cube. Il est où? Il est là. Il fait 2 mètres le cube. Donc je vais l'augmenter, je vais le passer à 2m10. Par contre je connais pas ça. Normalement j'ai pas moyen d'avoir sa taille. Ah voilà. Voilà, dimension 2 mètres. À 2m10, voilà. Il fait 2m10. Donc je vais aller l'installer pile ici. Ouais, il est pile dessus. Hein, ma coupe est là. Ouais, comme ça je vais basculer. Alors c'est pas forcément le mieux. Ah, cette origine. Géométrie. Ah. Non, mais il n'y a pas été. Ah non, l'origine c'est ça. C'est le curseur 3D que je veux mettre. Curseur tool selected. Voilà. Je veux mon curseur ici. Donc maintenant.
Voilà, ma GoPro est ici. Je vais utiliser l'outil Spin. Et mais il faut que je pense balance l'origine sur le 3D curseur. Voilà, je crois. Hop. Donc outil spin. Par contre, il faut que je le mette en mode Y. Parce que là, il est pas bon là. Et je vais le faire tourner. Alors j'ai mis combien? 9 steps. C'est pas assez ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Il faut mettre au moins 32. Hop. Salut Cégine. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Des lasagnes. T'attends la fin de cuisson tes lasagnes. Faites maison. Oh. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Vous êtes pas possible. Donc, step 32, allez, hop. Oh. Ah. Alors, je vais mettre l'angle à moins 360, puisque j'ai tourné dans ce sens-là. Alors, ça, vous le voyez pas. Zut, faut que j'enlève la webcam. Ici, je peux indiquer l'angle. Attends, faut que j'enlève aussi les derniers. Ici, je peux indiquer l'angle. Le rentrer le truc. Comme ça, il se met pile à 360. Une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà. Hop, c'est généré. Allez, je remets ma tronche. Ah, il s'est bloqué. Cool, il s'est bloqué OBS. Bon, bah, 16h30, on sera obligé de réinitialiser le truc. Et oui, il y a encore une semaine, il était 13h30. Bon, ben voilà. Normalement, on a une route 2m10. Pop, pop, pop. 2m10. Nickel. Donc maintenant, on va plus y avoir qu'à faire les rayons. Alors, il y a un petit truc quand même. Avec cette technique-là, je me suis aperçu que... Ah non. Je croyais qu'il doublait les... Ah non. Attends, je vais me mettre en mode transparence. Ah, j'ai cru qu'il doublait les rayons, les points. Bah non, j'ai fait une... C'est parce que j'avais du mal l'employer la dernière. Ah si, attends. Non, non, il double pas. Bon bah il les double pas. Oh bah c'est parfait, c'est sympa Blender. De toute manière on s'en moque, il n'y a pas d'heure pour manger. Et encore plus des lasagnes. Ouais mais des lasagnes à 16h. Bon, ça passe. Après tu manges plus à 19h quoi. Ou alors tu te prends un goûter à 19h, du coup tu prends ton dîner à minuit quoi. C'est embêtant. Allez, point de discrétion. On va se remettre en mode normal. Du coup on va attaquer les rayons. Ah, il nous faudrait un moyeu. Il nous faudrait un moyeu au milieu. Donc on va se générer un cylindre. Shift A. Cylindre. Normalement il doit se mettre au milieu. On va lui faire une rotation sur l'axe des X. Ah non, là comme je l'ai généré c'est trop tard. Donc maintenant il faut que je fasse RX. 90. Voilà. Et puis on va lui faire un petit coup de retaillement, hein, puisque c'est censé être en fait une partie de l'essieu. Alors, GY pour le redéplacer, il va être, il va y avoir l'essieu, il va y avoir le moyeu. Donc on va déjà faire un petit bout d'essieu. Alors là, il est trop gros. Hein. Hop. On va le ramener ici. Donc là, je fais... qu'est-ce que je fais déjà? Un extrude... oui, un extrude.
Tac, j'appuie, je fais S, mais il faut que je fasse S uniquement sur l'axe des X et des Z. Donc S pas sur Y, et poup. Alors, après, il faut regarder la photo. Hein. D'un autre côté, on va rien voir. Hein. Oh, fait le bazar. Ah, le problème, c'est que c'est une distribution, alors a priori Stephenson, et Immersive Railroading ne gère pas les distributions Stephenson. Donc il va falloir les représenter en statique. Ce qui est dommage, du coup elles vont pas tourner. Elles ne vont pas tourner. Parce que là il y a deux il doit y avoir deux excentriques. Là il y a la bielle motrice hein. Ou alors on représente rien, on met juste la bielle motrice. Il te manque les zooms comme dans les séries pour passer les images basse définition en HD. Ah ouais, ouais. Salut Philo. Et Gilles demande c'est quoi la distribution Stephenson? Une distribution Linux. Alors comment expliquer ça? Il y a plein de schémas qui existent. Ici on a le piston. Psh, psh, psh. Comment ça marche un piston? Pour le faire, donc par exemple, pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ici il va falloir pousser. Donc pour pouvoir pousser, il va falloir mettre la vapeur à droite. Donc la vapeur à droite, elle va venir en pression, et donc elle va pousser sur le piston, d'autant qu'ici, on va être en mode échappement. Donc devant, on va être en mode admission, à l'arrière, on va être en mode échappement. Une fois que le piston sera à l'arrière, ça va s'inverser. Ici, ça va passer en mode admission, et ici, ça va passer en mode échappement. Donc comme il y a l'admission ici, ça va repousser. Donc ici, on sera arrivé à ce point-là. Donc comme on va repousser, eh ben hop, on refera un demi-tour. Donc ici, on pousse, et ici, ça s'échappe. Pourquoi ça bascule d'un côté un coup admission-échappement, d'un côté un coup de l'autre? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un tiroir, ici. Cette petite chose-là qui oscille, et puis qui ouvre donc des lumières un coup. Donc la flèche, c'est l'admission de vapeur, donc ça va ouvrir d'un côté. Ou alors, ici, c'est l'échappement, hop, ça va partir par là. Donc ce tiroir il se déplace, ploc, 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 il ouvre, il ferme des lumières, donc des trous dans l'appareillage. Pour actionner ce tiroir, bah, il y a tout un système qu'on appelle une distribution. Donc la distribution de Stephenson, c'est une pièce mobile ici qui bouge et qui est dirigée par deux excentriques fixées sur la roue motrice. Et donc elle va osciller, tac 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 tac, et donc l'oscillation, eh ben, ça fait bouger le tiroir. Et le déplacement soit d'un côté soit de l'autre, ça permet d'avoir la marche avant ou la marche arrière, puisque ça permet d'inverser le sens d'admission. Voilà très rapidement comment ce que c'est qu'une distribution et comment ça marche. Alors dans le même style, il y a d'autres distributions, celle de Gouche et, ou celle d'Alan. Bon, c'est toujours un principe avec excentrique. Hein. Pop, pop, pop. Donc c'était les distributions très en vogue dans les années 1840, 1800, pop, 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 avant que la Valchert les détrône un petit peu. Bah les autres c'est le même principe, c'est toujours le même principe, même la Valchert c'est toujours le même principe, c'est le tiroir, c'est juste après le système de fonctionnement de la tige de tiroir qui varie. Mais sinon, dans le principe, c'est toujours un peu la même chose. Et il y a des schémas sur Internet. On trouve facilement des schémas. Pop, pop. Je vais vous en trouver une. Distribution. Stephenson animé. Bah, je crois que même sur Wikipédia, il doit y en avoir. C'est plus des trucs dans ce style-là. On voit la rotation par excentrique. Et on voit que ben, ça permet d'avoir un mouvement.
Donc ça c'est le tiroir. Il faut imaginer que c'est le tiroir, c'est lui qui bouche ou débouche les lumières d'admission et de d'échappement des cylindres. Il y en a des mieux, il y en a même des mieux ficelés où on voit le piston. Comme ici par exemple. Un petit peu plus complexe. Bon voilà, fin de la petite aparté. C'était de la mécanique bon, qui peut paraître complexe, mais ça n'a rien à voir. Bon, maintenant c'est plus de la mécanique les bagnoles, hein, c'est de l'électronique. Hein. Ils arrivent avec leur valise, si la valise elle leur dit pas ce qui cloche, bah, ils sont mal les gars. Hein. Bon, c'est pas tout ça. ouais, on va sélectionner tout le tour en fait. Alors, Shift, Alt, Pluc, clic. Ça permet de sélectionner tout le cercle. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est génial. Donc j'ai extrude Y, pop 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 pop. Et puis bah, a priori c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin là, parce qu'en fait la boîte elle est intérieure. Donc la boîte c'est une boîte dans laquelle passent les cieux. Donc l'essieu c'est ça, la barre qui va aller G, Y jusque là, enfin et de l'autre côté. On va faire une symétrie après. Oh vache que c'est grand. Bon moi j'ai défini, quand j'ai incorporé ma coupe, elle était bien positionnée. Par rapport à l'axe central, elle est à 70 cm. Ça fait un écartement de 1,4. Ce qui rend bien dans Immersive Railroading. Ça va arnaquer les gens qui connaissent rien. Ah, c'est un peu le but. Hein. Non, non. Non, non, j'ai dit une bêtise là. Donc la boîte, c'est ce qui permet à l'essieu de tourner, pop, 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 et en étant guidée, c'est-à-dire qu'elle est accrochée au châssis. Mais elle n'est pas accrochée directement au châssis parce qu'en fait il y a une suspension. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure de la construction de la locomotive. N'allons point trop vite. Donc là, on va sélectionner ça et on va le fermer. Parce qu'actuellement, si j'enlève la transparence, il est fermé, mais par un grand carré et par un N-gon. Et les logiciels de rendu, N-gon, c'est un polygone à N côté. Et ils n'aiment pas ça. Le mieux, c'est d'avoir des carrés, donc des quadrilatères en fait. Pas des carrés, des quadrilatères, donc des polygones à quatre côtés. Donc on va le supprimer, only face, poup. De l'autre côté par contre c'est bon, j'ai bien des trucs à quatre côtés. Donc je vais sélectionner Shift Alt Pluc. En fait je vais repasser en mode point et on va faire un extrude et puis le ramener un petit peu au centre. Première fois je pense, et puis après on va le simplifier le truc. Donc je me mets en vue 1, non, contrôle 1, hop, extrude pour qu'il me crée les points, et après S non Y, donc Shift Y pour ramener ça un peu au centre. Bon à la limite on peut ramener à cette hauteur là, c'est pas... hop. Voilà. Et là, on va créer des quadrilatères. Donc, on va là créer une ligne. On va ensuite. Bah, donc, on peut.
Non. 2. On va sélectionner. Ah, il faut que je le subdivise. Donc comme ça, j'en ai créé 2. Et si je sélectionne cette ligne et cette ligne, je peux appuyer sur F et ça me crée une face. Pop. Et comme ça, j'ai bien un quadrilatère. J'ai bien 4 côtés. Donc c'est pile poil ce que aiment les moteurs de rendu. Pop. 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 Oui. Alors il va me reprendre celle-là normalement. Ça va le faire. En fait j'avais pas besoin. Bah si, j'étais obligé pour faire la première. Et là, voilà, j'ai fait ma dernière. Zut. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est pas ça que je voulais faire. C'est joli, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui m'a fait le truc? Bon, ben, je vais le ragrandir. Tant pis, j'aurai pas la... J'ai loupé un truc, là. Bon, j'ai dit que j'étais pas un spécialiste de Blender. Hein. Ouf. Ouf. Heureusement, parce que là, les puristes, ils vont dire... Ben, c'est pas grave, on va tout ragrandir. Donc, S, Shift, Y... Je pense que si je mets l'aimantation sur les points, si je fais un shift, un S non Y, et je me mets... Ah non, ça marche pas. Ah zut, ça marche pas avec ça, ça marche que sur les avec le déplacement G. Bon bah tant pis. Salut Christo. Ouais, on dirait surtout une... comme une fraise. Pour faire les moulures là. Bon voilà. On dit que c'est bon, on n'y touche plus. Mon objet. Je vais peut-être lui créer un modifieur miroir. Pop. Sur Y. Ça marche pas. Ah ouais, j'ai horreur de ça. Pourquoi Z, Monsieur Cadbury? j'ai fait une rotation de l'objet. Et du coup, ça me rotationne tout. Mais pourquoi il fait une rotation de 90 degrés de mon objet? J'y ai pas touché, moi. Ah, ça m'énerve. ça m'énerve, monsieur Cadbury. Alors, on va faire un miroir avec clipping. Le clipping, ça permet, quand on regarde ici... Alors, on voit que là, on voit les points. À gauche, on voit pas les points. C'est le miroir, en fait. Hein. Ça n'existe pas. J'ai qu'une partie, tant que j'ai pas fait apply, tant que j'ai pas appliqué le truc, j'ai qu'une partie qui est à droite. Hein. Donc là je peux faire des grosses sélections, je vais bien sélectionner que ça. Donc si je fais GY et je me déplace, ici je suis coincé et hop, ça vient se clipper. Clip. Faut faire un clip. Voilà. Et vous avez vu la taille des roues? Mais c'est dément ça. Alors une personne normalement constituée. Ah bah j'ai toujours mon cube. Pourquoi il s'est... Ah, le cube est dans une autre... Il est dans une autre dimension... C'est un autre objet, le cube. Ah... Alors, on va le mettre à... Bon, une personne normalement constituée mesure 1m75. 1m75. Hop, voilà. On va la réduire un petit peu. S sur Y. Pop, pop, pop. S sur X. Pop, pop, pop. Voilà. Donc là,
G sur Y, on va la mettre à côté. On se remet comme ça. Ah, on va la remettre sur le sol. Voilà. Une personne normalement constituée. Voilà, mesure cette taille-là. Pop, pop, pop. La tronche des roues. Arrête, l'autre coup, quand j'ai enfin trouvé un nouveau médecin traitant, donc il a pris les trucs indispensables, poids, taille. Mais je me suis moqué de lui parce que je lui ai dit que sa toise, il l'avait pas bien étalonné. Il mesure 1,70 m. J'ai pas perdu. Alors j'étais à 74, hein. Sur ma carte d'identité, je suis à 74. J'ai quand même pas perdu 4 cm, quoi. Je veux bien que j'ai perdu 1 ou 2 cm, quoi, mais. Tu sais que tu peux entrer la valeur directement? Oh, j'y pense pas, ça. Ah ouais, c'est vrai. Donc, par exemple, Lilo, qui fait 1,50 m. Pouf! C'est encore pire. Oh. Bon, le cube, je peux le supprimer, hein. On n'a plus besoin. Dilette, poup, plus de cube. Bon, allez, il faudrait qu'on se bouge un peu le popotin, là. C'est pas tout ça. Donc, on va faire des rayons, il en faut 20. En fait, j'aurais été futé. J'aurais découpé ici en 20. Ah, ou en 40. Ah ouais, j'aurais dû découper en 40. Ouais, mais 40, ça fait énorme pour l'essieu. J'aurais dû découper en 40 que pour le moyeu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me voyez venir avec mon 40 là? Parce que 40, c'est 20 plus 20. Si on a 20 rayons, on a 20 interrayons. En considérant que les rayons et les interrayons ont la même dimension, bien sûr, hein, sinon on n'est pas dans le. Hein. Mais bon, ça se refait à la limite. Hein. Je crée un cylindre, j'ai fait une petite rotation. Allez, hop. On crée un cylindre. Donc de 40. Oula. Pop, 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 pop. 40. Radius. On va plutôt le mettre à 12 cm. Non, il est plus, c'est mon moyeu. C'est le moyeu. Donc on va plutôt lui mettre 20 cm. Et puis en profondeur 10. On lui fait. Donc ça c'est bon. Pop. On lui fait une petite rotation sur l'axe des X. 90, pop, G, Y, hop, ah zut. Alors quand ça arrive, faut enlever le clipping et le ramener là. Quelle est cette tronche toute pourrie? Bon, j'ai enlevé le clipping. R. X90, tac, GY, ah il est bon là, ok. Maintenant je peux remettre le clipping, clip. Salut Lucas, Lucas KO. C'est pour quoi faire? C'est pour avoir une chouchou dans Immersive Railroading. Donc il faut d'abord la modéliser. Ouais, du coup, mes rayons, ils vont être pas mal là. Alors ça, je vais le faire de la largeur des rayons. Donc ça va venir à la place de ça. Ça va pas bien marcher. Hop. Donc ça, je le supprime. Supprime les points. Vertice. Plop. Et ça, on verra après. On verra ce qu'on en fait, ça.
A priori, on les supprimera aussi. Et ça, on viendra le coller à ça. Pouf. Pouf, pouf. Alors, je sélectionne tout. Je fais un petit coup de L. On va venir le remettre au milieu. On passe en transparence. GY. Donc ça, il faut que ça ait la taille des rayons. Pourquoi les... Je devrais pas avoir une seule ligne là. Ça me paraît bizarre. Alors on va le réduire. GY. Donc ça, je... Oula, pas une bonne idée. L, c'est mieux. Donc GY, je le mets au milieu, ça va être ma taille de rayon. Salut King Drapsag et salut ventilateur spatial. Il y a une option pour avoir un F3. Tu peux avoir un F3 limité, t'as pas les coordonnées, et un F3 max où t'as les coordonnées. C'est dans les options. Alors c'est bien caché, hein. Et tout se mérite, hein. Alors là, je vais faire un extrude pour l'allonger. Parce que c'est censé dépasser quand même un petit peu les rayons. Même si on va pas le voir, hein. Donc extrude Y. Hop. On tire un petit peu, bon, on peut aller jusqu'au bandage, hein, voire peut-être même un petit chouï plus. Pop. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je sélectionne ça. Shift Alt Tac. Extrude Y, par ici. Ouais, bah là, pile. Pof, pof. Donc ça, derrière. Je vais enlever la transparence. Ah ouais, puis je vais enlever cette face-là. X, only face, pouf. Ce qui serait bien, c'est que je raccroche ça à ça, mais ça va pas être possible. Donc je vais supprimer. Ah non. Voilà. Shift Alt et on supprime tous ces points-là. On les refera. On refera la connexion de ça à ça après. Bon, là, ce que je voudrais faire, c'est extruder ça. Vers le haut, enfin vers par là. Salut Jacques. Alors, il y a extrude, il y a, je crois qu'il y a extrude selon les normales. Mesh, extrude, extrude face à longue normale. Hop, allez, hop, 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 hop. Est-ce que je... Ah zut. Je crois que j'ai fait une bêtise, chef. J'ai touché un truc, j'aurais pas dû. Oh, brin. Je vais me mettre en vue. Non, contrôle 1. En vue comme ça pour savoir jusqu'où je dois aller. Donc, mesh, extrude, 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 face longue normale. Allez, hop, il faut que je bouge la souris. Et puis après, je ferai une union. On fera une union là-haut. Donc, tac, voilà. Salut les 3 AB. Ça a commencé à 14h. Oh, 14h un peu passé, hein. Salut Wen Arcade. C'est une locomotive. Pourquoi elle s'affiche pas d'ailleurs? Ah, elle s'affiche que en 1. Ah ouais, mais alors du coup, elle est pas du tout bien placée, Marron. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On la redéplacera tout à l'heure. Bon, je peux tout sélectionner. Pourquoi ça marche pas? Ah.
Ah si, ça marche. Ah, GX. Ah, ça marche pas parce que c'est en miroir et là du coup il me l'affiche de l'autre côté. Ah, ouais. Alors ça risque d'être peut-être ennuyeux. Alors ma grande roue, elle sera là. Hein, hop, voilà. Ouais, la taille des rayons, ça paraît pas mal, hein. Pop, pop, pop. Pourquoi je fais une locomotive? Bonne question. Bah parce que dans Immersive Techtopia, dans Immersive Railroading, il nous faut des locomotives. Donc là, on est en train de faire les Crampton. Ça sera les locomotives à voyageurs qui vont suivre celles qu'on a déjà fait. Elles sont apparues en 1849-1850. C'était des locomotives à voyageurs avec un seul essieu-moteur, des très grandes roues, ici 2,10 m, et donc qui pouvaient atteindre les 120 km/h en pente. En palier, elles étaient plutôt au max avec un petit train à 96 km/h. Mais en descente, elles pouvaient atteindre les 120 et donc rattraper du retard qu'elles avaient eu. Alors, on va regarder. Du coup, là, on rentre. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, on se fera une union. On va essayer se faire une petite union après. Ce qu'il y a, c'est qu'il va en falloir faire 20. Parce que là. Le coup suivant, c'est choisir celui-là. Et bah pareil, contrôle 1. Mèche extrude selon normal. Il est où l'extrude? Hop, hop. Et là. Hop, 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 hop. Voilà. Clic. Alors je vais faire que des locomotives de la Compagnie du Nord, ou qui ont circulé sur le réseau du Nord, mais... Toc toc. Donc il y en a plein qui me commencent à me dire, ah, faites telle locomotive, faites telle locomotive. Que nenni. Que nenni. Extrude. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de commande pour le extrude face longue normale. Pop 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 pop. Parce que là, du coup, est-ce que je peux en faire plusieurs en même temps? À mon avis, non. Ça m'étonnerait, ça serait trop beau. Alt E doit me donner le menu. Voilà. Ah si, ça marche. Oh, bah, bon, bah, allez. Ah. Bon, bah, on sélectionne. Non, celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là. Ah, j'ai ma souris qui est pas précise. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac, Oh non. J'ai déjà fait. Tu as déjà de quoi faire avec celle de la compagnie? Ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi je retombe pas pile poil au bon endroit? J'ai demandé un cylindre de 40. Ça veut dire qu'il fait pas 40. On est d'accord. Je vais le sélectionner. On va compter les faces. 1. Je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Trente et un, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Il a fait 40, c'est 40 sommets, ouais, 40 points, 40 vertices, comme ils disent. Il est pas sympa avec moi, il est pas sympa. Merci, J1. Pour les 40 pits, 40 points égale 39 faces, mon Z. Merci pour tes 1 bit qui me donne la solution. Mais si j'avais fait le truc. Bah moi je pensais qu'il créait il créait 40 faces quoi en fait. Bon donc il faut que je en demande 41. Parce que là si je fais comme ça, j'ai une, deux. Bon, enfin surtout ça colle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais. Bon bah il faut que je pète tout. C'est cool. C'est trop trop cool, trop trop cool. Si je fais un petit L, il sélectionne tout. Et là, ça me fait un peu mal au cœur hein, de faire X. J'aime bien quand on apprend. Vous vous rendez compte du nombre de fois où on a le problème entre ces de poteaux et ces trucs d'intervalle? Non, mais hey. Merci Jack-Jack pour les 100 bits. Un gros poutou. Bon, ben on remarche, hein. Donc, Shift A, un cylindre. D'un autre côté, j'ai 39 là. Je me serais pas trompé tout à l'heure. Attends. On va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite. On fait un contrôle Z. Pouf. On va recompter. D'un autre côté, quand on fait le Shift A cylindre, ici c'est bien écrit vertice, hein. Fâche. Non, parce que comme il est fermé là. Non, non, mais. Comme il est fermé, si t'as 40 points, t'as 40 surfaces. C'est comme la chanson avec Mamselle Angèle. Là, j'ai mon point 1, j'ai ma surface 1. Là, j'ai mon point 2, j'ai ma surface N. Là, j'avais mon point N, j'ai ma surface N qui est juste à droite. Donc, là, j'ai dû demander 39 et c'est pour ça que ça coince. Ça coince. Mais non, ils disent mais non. Mais si! Regarde, c'est mathématique. J'ai ce point-là. Ce point-là ici. Ici, alors attends, deux. Cette surface-là. Voilà, j'ai ce point-là. Cette surface-là, c'est la surface 1. Point 1, surface 1. Point 2, surface 2. Donc ici, blablabla, point N, surface N. Donc si c'est mon point 40, ici c'est ma surface 40. Non, ce que j'ai fait, c'est surtout que j'ai créé un truc de 39 points. Je me suis planté tout à l'heure. Là 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 là. Bon ben on redétruit tout hein, parce que là il part dans les calculs et j'ai mal au crâne. Shift A, cylindre. Donc 40. Il est où mon cylindre? Ah vache, j'ai pas arrêté d'en créer. Attends, c'est quoi ce bazar? On va faire. Hop, voilà. Pourquoi il était le mettre là d'abord? Ah, parce que j'ai déplacé le truc. Ah, ça me plaît pas du tout ce truc là. Attends, on va le remettre au milieu. Slash H. Non. Ah, ben si.
Non, curseur tout selected. Ah oui, je repasse en mode objet et là je dis cette origine, tout 3D curseur. Voilà, poup. Et salut Leto. Passe en mode objet pour ajouter des objets que tu joindras après. Merci pour le conseil. Oh, là 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 là. C'est pas des logiciels faits pour moi ça. C'est pas intuitif. C'est pas mal. C'est pas ça. Il marche pas comme je suis câblé. Oui, je peux créer mes objets en pour les joindre après. Surtout que là après, je vais faire une fusion. Enfin, une union. Enfin, une. Donc j'ai peut-être intérêt. Donc là, je suis en mode objet. Je crée un cylindre. Donc mesh cylindre. 40, vertice 40. Bah, où qu'il est. Rotation X, 90. Poup, G, Y. Alors, J1 il a donné un bit. Petit live détente avec Blender. C'est quand qu'on atterrit? 16h30, c'est le goûter. Puis on passera à Minecraft, ça sera plus facile pour moi quand même. Hein. C'est moi, j'ai l'impression que Z n'avait pas touché à Blender assez souvent. Ouais, puis ça fait un moment que j'en ai pas fait en fait, parce que la 0.30, la dernière que j'ai faite, celle de manœuvre, bah, ça fait un moment qu'elle était faite. Et je m'aperçois, avec horreur, que en fait tu perds très très vite. C'est excessivement simple. On perd très 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 vite. Alors là, j'ai un problème quand même sur ma roue. Ici, par exemple, le trait, il est super bien aligné. Mais ici, j'en ai trois. Vous les voyez bien, les trois traits. Or, je suis censé en avoir que deux. Puisque quand je coupe... Ah non. Non, non, j'ai un petit retrait ici. Ah non, bah c'est bon. Et ici, je suis... donc, il faut que je sois aligné sur celui qui est ici. Pierre dit Blender mérite d'être pratiqué. Plus de locaux créés, il te faut, jeune padawan. Ouais, ouais. Mais bon, on peut pas passer sa vie à faire mumuse avec Blender. Hein. À un moment donné, il faut faire aussi d'autres trucs. Alors... shift clic pop GY, allez. Je crois que est-ce que ça marche avec un autre objet? Alors c'est shift tab pour oui, mais il faudra des points. Non, il faudrait que je avec un edge. Pourquoi je suis en mode objet là? GY. Voilà, pap. On va faire pareil pour ici. Shift Alt. Pouf. Et on va le lier. Donc GY. Pouf. Et J1 nous dit. Oui, on peut faire aussi. On peut faire aussi de ZBrush. Ouais, Xenos, la petite musique d'ascenseur qui va bien. Alors, donc là, normalement, on a bien nos 40. Alors, on enlève le... X only face, X only face, voilà. On veut pas de... Hein. Donc, je vais l'extruder, maintenant, pour avoir un peu de... un peu d'épaisseur. Ouais, enfin, il y a quand même des trucs bizarres là. Hein. Surtout là. Ah non, c'est juste un effet d'optique. Ok, bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc, on va faire un extrude. Y. Pof. Je suis toujours en mode. Aimant sur la ligne, extrude Y, pouf, voilà, pouf pouf. Donc j'enlève l'aimant, shift tab.
Alors Jacques-Jacques a posé une question, je l'ai pas vue. Il y a longtemps la question. Ah, tu crées la locomotive en 3D, mais comment tu crées ces fonctions avancées, reculées? Ben, on verra ça à la fin, en fait, hein. C'est un petit peu compliqué. En effet, il y a des fichiers qui permettent de déterminer. Alors, le avancé reculé est naturel. La locomotive doit être dans le sens. Ben, quand tu appuies sur la touche 1, l'avant, il doit être à gauche. Donc, c'est avec les X. Les X négatifs. Je sais plus. Enfin, moi je me le mémorise comme ça. J'appuie sur 1, j'ai la locomotive qui va vers la gauche. Donc l'avant sera à gauche, l'arrière sera à droite. Sur l'axe des X, sur l'axe des Y, on a la largeur, et sur l'axe des Z, donc le 0, c'est là où seront posées les roues sur les rails. Paf, le Z0. Wen Arcane me dit compte les phases d'abord. Ouais, on va vérifier. On va pas se refaire avoir. Hein. Moi je dis. Attends, je vais faire un contrôle F1, ça sera plus cool. Donc, si on démarre ici. Bon, je vais le faire. Hop, hop. Donc là, c'est ma phase 1. Phase 2. Phase 3. Phase 4. Phase 5. Phase 6, phase 7, phase 8, je vais remonter un petit chouille, phase 9, phase 10, phase 11, phase 12, phase 13, phase 14, phase 15, phase 16, phase 17, phase 18, phase 19, phase 20. Ouch! Ouh, ça marche. Bon, je repasse en quoi déjà? Je repasse en sélection. Je me souviens plus la touche pour Alt Z pour passer en truc. Alt Z, Alt Z. Hop. Donc, notre première, on va la faire ici. Ouais. Alors, Leto me dit, après, tu pourras sélectionner toutes les faces et faire un checker deselect pour choisir une sur deux. Non, c'est pas possible ça. Comme ça? Et c'est quoi ton checker deselect? C'est où? Sur les mèches? Ça me dit rien du coup ton histoire de checker deselect. Merci pour les 20 bits, Jack. Menu select. Menu select. Il y a file, edit, render, window. Help, help, la 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 la, help. J'ai pas de select. Select, 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 select. Ah, elle sera pas finie à 15h. Elle sera pas finie à 16h30. Hein. C'est 16h30 le goûter. View peut-être. Onglet select si tu préfères. Ah, ok. Checker, deselect. Oh, c'est trop puissant, ouais. Je l'aurais fait à la main, il serait déjà fini le truc, hein. Vous en êtes consciente, ça. Non, mais une fois que tu le connais et que tu n'oublies pas où il est, c'est cool. Le problème de Blender, c'est qu'il y a 500 000 options. Il y en a partout. Vous avez vu le nombre d'icônes? Ploup, 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 ploup. Et merci, merci des tours, hein. Et merci pour le suivi, Xino. Bienvenue sur la chaîne. C'est surtout, il connaît bien Blender. Bon, on va extruder ça. Ah, on reste là. Alt là. Alt là, extrude face à l'ongle normal. Et un peu fort, un peu violent. Voilà, paf. Et voilà, j'ai ma roue à 20 rayons. Et dis donc, les autres roues, elles vont. Dépoté hein, à ce régime-là.
Bon, ils sont pas trop gros mes rayons, hein. Il faut ça hein, pour les roues de pour des roues de locaux. Moi je dis il faut ça. Bon, de toute façon, le moyeu, on le verra pas parce que ça va être caché, vous le voyez par la. Par le châssis, par le système de d'orbiellage. Parce que ça fait du bien de se savoir entendu. Merci pour les 100 bits. Bon, bah, ça va, petit live. On n'est pas nombreux, donc on arrive bien à lire le chat et à s'en sortir. Bon, ben voilà, notre première roue est faite. Ah, pourquoi? Ah oui, elle est pas. Oui, je l'ai pas copiée. Donc, faudrait que je la unionne. Pour pouvoir gérer ça correctement, proprement, il faudrait que je l'unionne avec l'autre truc. Avec la. Donc, j'ai cylindre, c'est mes moyeux. Et coupe-roue, c'est la roue. Donc, il faut que je unionne. Je vais peut-être. Je vais peut-être couper le modifieur. Supprimer le modifieur mirror pour l'instant. Donc, je sélectionne lui. Je lui rajoute le modifieur. Pop, 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 pop. Booléen. Qu'est-ce qu'il nous dit J1? Twitch Z75, le live du franglais, la honte. Pourquoi? Singer me dit, vu que je te touche un peu au code, je peux te passer un fichier qui recense tous les arguments que tu peux mettre dans les JSON et que le mode prend en compte. Ah, je veux bien. Je ne suis pas contre. Par contre, il n'est pas plein mon cylindre. Ouais, ça j'ai vu. Mais ça, je peux le faire après. C'est pas un problème. Je préfère faire l'union avec moins de trucs, le moins de trucs possible en fait. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait une union. Apply. Union. Non, j'ai fait un booléen. Miroir. Modifier. Miroir. Opération union. Object. Coupe-roue. Je applie. Paf. Et alors là, il y en a un qui est bon et l'autre. Voilà, c'est cylindre qui contient les deux. A priori fusionné. Quoique là, j'ai un doute. Non, il m'a rien fait du tout là. Ce qui serait bien, c'est que ta roue ait le même nombre de faces. Non, c'est rien du tout à refaire. Par contre, c'est bizarre que l'union, il l'ait pas faite. Ah si, il a créé des points ici. Ah, il faut juste que je fasse le ménage en supprimant tous ceux qui sont là. Mais bon, s'il faut que je refasse la roue. Je plus 1. Qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce qu'on rame? C'est surtout moi qui rame. Qu'est-ce que je fais? Je la refais à 40? Vous voulez que je la refasse à 40? On va pas le voir hein, dans. On va pas le voir dans le jeu. Hein. Bon, CTRL Z, je redéfusionne tout le truc. Donc a priori. Oh, ça y est, toujours là. Voilà. Voilà, c'est, je suis revenu avant l'union.
Donc, il faut que je change d'objet. Il faut que je sélectionne ça. Je supprime. Pop, pop. Bah, tout. Sauf mon truc de base. Alors, hop. Vertice. Vertice. Non. Non, non, faut que je garde. Hop. Alors, il y en a encore deux trous ici. Hop. Donc pour faire ma roue, je pars d'ici. Donc je sélectionne tout. Je fais un spin. Un spin de step 40 sur l'axe Y. Bop, 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 bop. En fait, on veut un angle de 360 degrés. Poup! Tac. C'est une infinité. Elles étaient bonnes, tes lasagnes? Alors. Pof, c'est bon. Du coup, ça donne quoi? Elles devraient toutes tomber à peu près au même endroit. Et à peu près au milieu, en fait, hein. Comme toujours, c'est une tuerie. Ouais, ça fait. Ça, on va dire que ça fait plus propre. Hein, vous allez me dire. Ah, ça fait plus propre. Connais-tu le Shift L? Ou L? Ouais, le L, je connais. C'est pour sélectionner tout un groupe de trucs. Style la roue là, pouf, elle. Wouh! Leto a raison, ça fait plus professionnel. Ouais, je suis d'accord, mais bon, on est des amateurs, hein? Nous sommes des amateurs. Enfin, des vrais, hein? Pas comme. Bon. Les autres là qui étaient fiers d'être des amateurs. Bon, donc je vais les unionner les trucs, hein? On fait ça. Mon cylindre. Ah bah il est toujours unionné avec coupe-roue. Je applie. Hop. Et du coup, le cylindre ici. Ah oui, faut que je passe en mode machin. Et c'est là le problème, c'est que là c'est un peu pénible parce qu'il faut que je fasse, il va falloir que je supprime 20 fois ces vertices là quoi. Alors, il y a peut-être une autre méthode. Merci pour tes 100 bits, Leto. Franchement, pour quelqu'un qui connaît à peine le logiciel, tu te débrouilles super bien. Mais merci. Merci, j'apprécie le truc. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà fait deux locomotives. Bon, les wagons, c'est des copier-coller. Donc, ça commence à rentrer. Mais je dois dire que. Bah, il faut le pratiquer. C'est dangereux ce que je viens de faire avec le shift là. Tiens, je vais en prendre plusieurs. Alors, les commandes qu'on utilise le plus souvent, j'arrive plus ou moins à les mémoriser. Les autres, j'ai un petit peu plus de mal. Bon, puis il y a des choses ouais, qui peuvent être automatisées. Ton select, checker des selects. Si tu l'as pas, si tu l'as pas vu, si personne te le dit. Après, il y a possibilité de lire toute la doc, hein. Elle est à moitié traduite en plus.
Mais c'est quand même très chaud. Sélection par cercle. Ah oui. Alors attends. W. Ouais, je vais gagner du temps. Poup. Ouais, par contre, faut il faut faire gaffe, le cercle est gros. Alors, je vais en prendre plusieurs. Ah, zut. Pop. On arrive au bout, hein. Pop, pop. X, vertice. C'est bon. On a tout nettoyé. Alors, on va repasser en mode normal. Ah, zut, ils sont creux. Pourquoi ils sont creux, mes rayons? Alors, W, je reviens en mode normal. Et surtout là. Attends, je vais repasser en mode. Ah, barque. Je vais être bon pour refaire toutes les faces. Ouais, c'était des phrases, des faces du dessus que je supprimais, J1, hein. Forcément, puisque j'ai supprimé les rayons qui dépassaient. Oh. Ah, j'ai supprimé. Mais donc l'union n'a pas marché. Il m'a créé les points, mais il m'a pas créé les faces. Parce que je pensais que moi l'union allait me. Bah, comme il générait des points en fait à l'union des deux objets, donc ici hein, si je me mets en mode point. Oh, puis vous avez vu le. Ah, le caca. Ah, c'est moche. Oh, puis il y a 36 points. Alors, attends, slash M. Oh, vache. Alors là, il y a moyen de les sélectionner. Et de faire un Alt M by distance. Mais ça veut dire qu'il faut que je sélectionne tout. Ouais. Undo 40 fois. Ouais, mais ça va pas me solutionner mon truc. Après, les rayons, hein, les faces sont pas compliqués à. Oula, je suis parti. Ils sont pas compliqués à recréer. Hein. Je fais ça, ça, face. Pouf. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il m'a aussi il m'a vraiment supprimé les quatre faces, quoi. Le plus sûr serait de tout effacer et tout refaire d'ici 16h30. Non, mais on va avancer sur autre chose. Et ça, je le ferai hors stream. Hein. Non, par contre, là, il m'a coupé celle-là. Vous avez vu, et du coup, il y en a deux qui sont face sur face. Donc là, X only face. On est bon pour les effacer. Du coup, après repasser en mode et je sélectionne ça et ça, et paf, je recrée la face dans ta face. Voilà, non, ah, ok, ouh là 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 là. Bah, je pense qu'il va falloir que je remove ouais, tous mes points en double, ouais. Web. Est-ce que je peux tout sélectionner? Donc là, je fais un A. Est-ce que le remove double fonctionne? Jacques-Jacques vient de donner 25 bits. Eh ben, merci. Hors stream, c'est tellement fraternel de partager les galères Blender. Ouais, mais je vais pas faire ça pendant une heure. Hein. Alors, je suis en mode vertice. Donc tu m'as dit remove double. Alors ça va être dans vertex, je pense, hein, non? Merci Wen Arcade pour le suivi. Essaye la touche W. W, ça me change le mode de sélection.
serait pas dans le select. Non, ça c'est vraiment du select. Mesh. Il y a un delete là. Le menu suppression. Alors j'ai la version 2.82.7. Salut Doberman, Techtopia tout à l'heure, après le goûter à 16h30, 16h45. Clean up, dit Clanmi. Et encore, j'ai pris la version anglaise. Parce que vous pourriez dire, oh t'as la version française, on n'y comprend rien. Ah oui, il y a clean up. Purge all. Non, je pense que... je le sens pas le purge all, Clanmi. Salut. Oups, cancel. Où ça va être ça? Sort élément. Show hide, non. Separate, non. Moi, je l'aurais bien vu dans le delete, ça. Sinon, il y a le alt M qui fait le merge, mais c'est pas ça. Ah, c'est pour ça que je l'ai laissé en anglais, parce qu'au début, je suivais des tutoriaux, et comme tu dis, et puis les tutoriaux français. Énormément de tutoriaux français sont faits avec le logiciel en anglais parce qu'ils veulent pas dérouter les gens et tout. Du coup, ça fait une espèce de norme qui est stupide, enfin stupide. C'est stupide pour la défense du français parce que ça veut dire que tout le monde utilise la version en anglais alors que moi j'y comprends que puis quoi. Ça fait quoi un contrôle J? Ça me rappelle quelque chose, le contrôle J. Un joint. Ah oui, pour joindre deux objets. Parce qu'en fait, ça... Ça ne fait pas les joints, ça ne fait pas la création de face, ça fait pas l'union en fait, le contrôle J. Le contrôle J ne fait pas ce qu'on a fait en fait. Le modifier booléen union, il fait un travail propre. Alors que l'autre, les points, la première loco que j'avais fait comme ça. Les rayons rentrent dans la roue. Moi je me suis dit, tiens, pour une fois je vais faire propre. Voilà, du coup, pouf. UV, c'est pas ça UV. Bon, on va laisser tomber pour l'instant. Je vais baisser un peu la musique. Ou alors je recherche sur internet. C'était quoi la fonction que tu parlais doublon remove. Ah, en 2.8, remove double a changé en par merge by distance. Ah, ça voudrait dire que ça serait donc le mesh. Alors le merge, il est où? Le merge, c'est altem by distance. Remove it sans deux vertices. Voilà, on a trouvé. Non, en fait, le rendu il gêne pas. Enfin, G1, si on parle de ça, si les rayons qui rentrent dans l'autre truc, le rendu est pas ça gêne pas le rendu. Il y a juste que en fait, il calcule des faces qui sont pas visibles parce qu'il y a une autre face qui vient devant. Salut Tiab.
Oui, bah c'est un monde à part la 3D, hein. C'est un petit monde à part. Bon, du coup, là, il va quand même falloir que je fasse le ménage. Parce qu'à chaque fois, j'ai ça et ça. Donc, toutes ces faces-là, il faut que je les supprime, hein. Hein, parce qu'elles se. Elles viennent mettre le bazar. On est d'accord. Elles sont moches. Si on fait quelque chose de propre, autant faire quelque chose de très propre. Hop. Alors, attends. On va déjà supprimer ça. Only face. Il y a énormément de changements. Ah oui, toi tu bossais avec la version 2.7. Hop. Alors attends, on va repasser en mode pas transparent parce que. Voilà, ici, tac, tac. Allez, oh, X only face. Tac, tac. Oula. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Parce que ça sert à rien de lui faire dessiner deux fois des trucs au pauvre moteur graphique. Il va déjà avoir assez de boulot avec notre machin mal triangulé. Hop, hop. Alors du coup, le fait d'avoir le même nombre ici et ici, ça va aider un petit peu le truc, quoi. Allez, tac, 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 X, only face. La 2.8, bah, c'est pour ça que je me suis lancé dans Blender. Ah, ça c'est pas bon. C'est parce qu'on disait que la 2.8 était plus facile à prendre en main que les versions précédentes. Mais bon, plus facile, ça veut pas dire forcément facile. Je te raconte pas comment ça devait être avant. Alors, pop, pop, pop. Donc là, on va sélectionner cette face-là, poup. Cette face-là, poup. Et non. Tu vois, là, il y a encore des trucs pas nets là. Cette ligne-là, elle est pas tip-top. Ah, ben voilà. Là, il a pas fait la coupure. Donc l'union a pas marché tout de suite. Donc moi, quand j'ai un truc comme ça, je fais subdivision. Je sélectionne ce point-là et je le merge sur celui-là. Alt-M, last. Pouf. Est-ce que je vais avoir le même problème ici? Non, ici c'est bien, ça s'est bien coupé. Alors je pourrais régler le problème en sélectionnant celle-là et celle-là. Ah non, pas celle-là. Celle-là et celle-là. Tac. Ça marche parce que. Ouais, sûrement. Hop, 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 hop. Allez. On en a que 40, 40 à créer. Pourquoi. Donc celle-là et celle-là. Pouf. Celle-là. Et celle-là, pouf. Celle-là, et celle-là, pouf. Celle-là, et celle-là, pouf. Vache. Ce sera plus facile sous cet angle. Tac. Ton, 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 ton. Allez, pop, pop. On arrive au bout. Hop. Et comme ça, on va avoir des beaux rayons. Ça va être une de mes plus belles roues que j'aurais modélisées jusqu'alors. La première, elle était vraiment. Ah, barque. Faudrait que je la reprenne d'ailleurs. Parce que du coup, il y a des tonnes de triangles qui servent à rien. Et bah, ce qui est embêtant. Ah. C'est qu'on surcharge la carte graphique, quoi. On l'a fait bosser pour rien. Et merci Lorenzini pour
ton abonnement. Bonjour à tous, bonjour à toi. Et merci. Merci pour le soutien. L'avantage de Blender, c'est qu'on trouve quand même énormément de... On trouve quand même pas mal de docs et de tutos. La communauté, elle partage quand même pas mal. Donc moi, je partage aussi mes galères, du coup. Pour ceux qui voudraient se lancer, qui se disent « Oh, bah oui, non, bah c'est facile, Z y arrive. » Ouais, c'est celle-là. Hop. On va finir par y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Tac. 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 Hop. Normalement, c'est bon. On est arrivé au bout. Stan Laurel, c'est bon ça. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire les rayons. Donc si on fait, si on veut pas être embêté, on fait ceux du fond d'abord. Pac. Après, il faudra vérifier les normales. Les normales, c'est donc c'est bon ça. Ouais, hop. C'est le sens dans lequel la face est visible. Hop. Alors ça, je le connais bien parce que j'ai tellement eu le problème. Ah, pas ça, pas ça, pas ça. Comme ça, paf. Ah, ben là, j'ai pas fait... Ah si, il y en a deux de fait. Ok, ok. Donc, bah, si on veut finir tout de suite, là... Attends, je vais faire celle-là et celle-là. Pap. Et celle-là et celle-là. On peut faire tout le rayon d'un coup, à la limite, hein. Plutôt que... Comme c'est un petit peu pénible de tourner. Par contre, j'ai les quatre faces... Alors, attention, pas de bêtises. J'ai les quatre faces à faire à chaque fois, hein. Voilà, c'est comme ça, pap. Donc là, il n'y en a aucune de faite. Il faut bien repérer après laquelle est celle du fond, c'est celle-là. Celle de gauche, c'est celle-là. Celle de droite, c'est celle-là. Celle de devant, c'est celle-là. Pierre dit, Z y arrive, Blender c'est quand même le logiciel qui t'apprend l'humilité. Ouais, parce que oui, c'est vrai que... Ouais, 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 ouais. Ou... Bon, j'en suis pas... Quel est le logiciel? Je me suis énervé sur un logiciel l'autre coup. Alors attends, le fond, c'est ici. Je me suis énervé sur un logiciel... C'est Litematica. C'est pas un logiciel, vous allez me dire, mais si, c'est un logiciel, parce qu'il y a une interface graphique, il y a des commandes. Je me suis très énervé. Un logiciel, faut toujours que tu te mettes dans la logique du gars qui l'a écrit. Le fond. La droite. Gauche, le dessus. Ouf. Attends, on va se re... Ah ben on a le point ici. C'était Excel. Non, d'abord j'utilise pas Excel, hein, puisque je ne suis pas sous Windows. Donc j'utilise LibreOffice. Et LibreOffice me pose pas de soucis. Hein. C'est pas des logiciels. Tu utilises tout le temps les mêmes fonctions. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop. Hop, voilà. On y arrive petit à petit. C'est pas la bonne. Hein. Donc tout de suite, on reprend la bonne. En dessous, c'est ici. Donc, à droite. À gauche. Hop. Hop.
Donc on refait notre rayonnage qu'on a cassé tout à l'heure. Ah, pas bon, hein. Vous avez vu, là, c'est tout tordu. Donc, CTRL Z. Ah, ouais, en bas, c'est celui-là et celui-là. Pouf. Toc. Alors, il y a certainement une méthode beaucoup, beaucoup mieux que... J'ai dû louper à un moment donné quelque chose, hein, c'est sûr. Au fur et à mesure, je pense qu'à ma 20e locomotive... Parce qu'à chaque fois, je progresse. Alors, le fait de le faire en live, c'est pas mal parce que du coup, on a plein de conseils. Donc, je remercie tous les gens qui viennent me dire hey, tu sais qu'il existe telle commande. Ah, tu devrais faire. Alors, sachant qu'il y a toujours plusieurs moyens de faire quelque chose. Bon, il y a la méthode optimale ou les méthodes optimales et puis les méthodes compliquées. Moi, souvent, je trouve assez facilement les méthodes compliquées. Mais ça doit être assez humain. Pop. Non, le truc qui m'a bien énervé, alors c'est professionnellement, c'est LibreOffice base. La programmation macro. Le gars qui a fait ça, les gars qu'on... Alors c'est les gars, parce qu'en fait ils sont plusieurs. Mais bon, c'est un des problèmes du logiciel libre, ça, c'est que chacun y met sa sauce et après on raccroche les wagons. Et voilà! On aura fini la roue avant 16h30. Toc 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 toc. Il manque la signe. Il signe à la pointe d'un clavier qu'un Z qui veut dire CTRL Z. Et de toute façon on mettra un petit Z sur la loco, hein. Bon, je vais finir le moyeu. Donc, je repasse en 1, peut-être en vue. C'est la bonne vue, ça? Ah non, CTRL 1. Pop, 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 pop. Je vais sélectionner donc ce point-là et ce point-là. Faire un feu. On va quand même vérifier que j'ai bien tracé le bon feu. On subdivise. Pop, pop. Ah, et donc, on sélectionne celui-là et celui-là. Et pouf, et on ferme le moyeu. Alors à chaque fois, donc comme tout à l'heure, hein, pour faire un, pour avoir que des quadrilatères, parce que le, alors on peut lui balancer un triangle. Il paraît que les triangles, ça va, ça passe encore, puisqu'en fait, à la base, après, tous les quadrilatères sont transformés en triangles. Mais les polygones à 5, 6, 7, 8, 40 côtés, il paraît qu'il aime pas ça du tout. Mais en fait, je crois qu'à chaque fois, il est obligé de refaire une étape de triangulation, donc il retriangule tout, donc il perd du temps. Je pense que c'est ça, hein, qui fait qu'ils disent, que les gens ils disent, ouais, il aime pas ça. Donc là, on lui mâche le travail en fait, on fait le boulot de la carte graphique. On est quand même sympa avec la carte graphique, moi je dis. Hop. Voilà. Merci, Singer. Michel Blackoffix, à 16h, le quoi qu'on fait deux, la première roue, la deuxième roue, en trois, la troisième roue. J'ai envie de, pour les autres roues, j'ai envie de repomper mes roues, alors on les refait. Voilà. Après, on peut faire les autres, hein. Les autres, les boîtes sont à l'extérieur. Donc, on a des moyeux qui dépassent. Enfin, on a les axes d'essieu qui dépassent. Alors que là, les boîtes sont à l'intérieur. Donc, on peut finir notre truc comme ça. Je suis en train de me demander si j'ai fait d'ailleurs, à ce propos, si j'ai fait l'intérieur. Et non. Mais alors, l'intérieur, ça va être compliqué parce que... Parce qu'ici, ça fait pas... Ici, ça fait 32. Mais un axe à 32, vous avez vu le nombre de faces, ça sert à rien. Surtout que c'est à l'intérieur, ça va pas être vu. Donc, j'ai envie de le supprimer puis d'en faire un autre. À 16 faces. Ça va lui suffire. Ou alors, on fait un multiple de 40, style à 20 faces.
Et on raccroche. Ah ouais, et on raccroche les faces. Deux faces ici avec une face ici, ça fait 1, 2. Ah non, ça va pas. Ça fait 5. Ah non, on est feinté. À un moment donné, il va falloir. Quel serait le bon chiffre pour récupérer. Je suis en train de faire des petits calculs hein, dans mon coin. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je reviens tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6. 6, on peut retomber sur 2. Il faudrait diviser par 3. Mais 40 divisé par 3, ça va pas. Donc, alors l'autre méthode, vu que c'est à l'intérieur, ça serait de se dire, ce triangle-là, on le dessine même pas. Hein. Enfin, ce truc-là. Ce qu'il y a, c'est que si j'arrive à faire ce que je veux faire, c'est pouvoir passer à l'intérieur, on va le voir. Enfin, on risque de le voir. Donc, faut le faire. Mais le plus simple, c'est de refaire comme j'ai fait là. Et tant pis, les deux trucs seront pas aboutés, quoi. Alt Z. Ça, on va le reculer pour pas que ça nous gêne. Poup. Mais de toute façon, on va même le supprimer. Je ferai un. J'ai pas besoin d'un 32 là. Quoi que je me demande si j'ai 32. Si j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de points, quoi. Hop. Allez. Alt Z. Et ben, on refait la même chose ici. On choisit ce point-là. On choisit le point en bas, ici. On trace un trait. On le subdivise. Pop. Et non. Et hop, on est reparti. Donc là, on en a 10 à créer. Pop, on en a déjà créé 4. 5. Là, on n'y voit pas bien clair. Ça, oups. Hop. 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 Le point commun avec Minecraft, c'est les hop. Hop. Oula. Hop. Hop. Non. Celle-là, ouais. Hop. 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 Oula. Hop. Et une petite dernière. Voilà. Donc ça, on le supprime. Alors je vais peut-être le garder pour la largeur, pour un modèle de largeur. Mais on va se faire un Shift A cylindre. J'ai dit combien? 16, hein. 16, c'est largement suffisant. RX90. Pouf. On va remettre à peu près à la taille de l'autre. Donc ça, la taille pas sur Y. Hop, voilà, à peu près, hein, on n'est pas. Pouf. Voilà. Celle-là, je la supprime. X, vertice. Et celle-là, Shift Alt, pop. GY. Et le problème, c'est surtout celle-là. Hop, je me mets en vue 3. Et on va venir se coller ici. Donc, je reprends l'aimant. GY. Et pouf. Voilà, on est collé.
Alors si je passe en transparent, il y a une... Et en mode surface, il doit y avoir une surface là. Ah bon, on la voit d'ailleurs, elle est sélectionnée. Et on peut la supprimer, donc X only face. Et on peut aussi supprimer celle-là. Voilà. Ça fait toujours moins de triangulation à faire. Donc tout ce qu'on peut supprimer comme face qui servent à rien, il faut les supprimer. Donc tout à l'heure, on avait parlé des normales. Les normales de saison. Donc c'est dans Overlay. Ah, le problème... Ouais, c'est là. Normal, et il faut cliquer ici. Donc il y a des petits traits qui apparaissent pour te dire dans quel sens, en fait, sont visibles les faces. Donc si on voit... Si le petit trait bleu est vers l'extérieur, ça veut dire qu'on va la voir. Si c'est à l'intérieur, ça veut dire que c'est depuis l'intérieur qu'on va le voir. Donc ce qui nous arrange pas, puisque nous on veut le voir depuis l'extérieur. Bah ça a l'air tout... Ah, tu vois, là ça c'est pas bon. On devrait avoir un petit trait bleu ici. Alors si on sélectionne tout... Alors je sais pas si ça va marcher. Hein. Et là on fait... Il faut appuyer le... Il faut appeler le... les normales. Normal, Alt N. On peut dire recalculate outside. Et pouf, voilà. Et là, ça m'a régénéré donc la vue des faces depuis l'extérieur. Donc là, c'est tout bon. Celle-là est visible, celle-là est visible. A priori, elles sont toutes visibles. Sinon, hein, si on le fait pas, quand on va utiliser notre modèle, on va pas voir, on va voir des trous. Parce qu'en fait, les faces ne vont être visibles que quand on sera de l'autre côté. Oui, non, les bifaces, là, dans mon intérêt. Non, vu que je fais du volume, il faut pas que j'ai des bifaces. Pareil, on ferait bosser la carte graphique pour rien, quoi. Alors, pour l'enlever, donc, overlay, il faut descendre et clic. Et puis on peut régler la longueur de du petit trait bleu et tout ça, c'est mignon tout plein, voilà. Bon, ben voilà une route faite en 2 heures. Oh vache. On n'est pas rentable, hein. On n'est pas rentable. Bon, on s'en fait une autre. Du coup... Ouais, les autres c'était des 12. C'était des 12 rayons les autres. On peut faire des routes 24. Alors il y en a des plus grandes que d'autres. Hein. Faut se méfier, il y a un piège. Le problème de la dupliquer, c'est que je vais avoir des roues qui vont être plus petites, mais elles vont être toutes plus petites. Bon, puis c'est une 20 rayons, les autres c'est des 12. Une 20 rayons sur une plus petite, ça ferait pas réaliste. Donc on va se créer... on va jusqu'à 16h30, ou alors on commence le châssis, puis les roues, je les ferai, on a vu le principe, c'est la même technique. On va se faire le châssis. Donc celle-là déjà, on va l'appeler roue motrice. Donc il faudra lui donner un nom bien précis pour qu'elle fonctionne. Il faudra la garder comme objet roue motrice. Oh là là. Roue motrice. Donc c'est... enfin il y a un nom bien précis à employer pour que quand Immersive Railroading charge le modèle, il sache quel est l'élément qui charge. Donc les objets doivent avoir des noms bien précis. Par contre, coupe-roue, ça on peut le supprimer parce que c'était l'autre modèle. Donc ça, je le dilette. Et en petit, en fait, en petit, c'est notre image de fond. Donc image fond. Mais on la voit que quand on est en 1. Hop. Donc la roue motrice, on va lui mettre un modifieur mirror. Et c'est là où il faut employer Z en fait, puisque je l'ai fait... Ah. Non, là, ben maintenant c'est Y.
C'est à n'y rien comprendre. Je mets le clipping. Alt Z. Je sélectionne les points. GY. Je viens toucher là. Poc poc. Et ça se soude. Formidable. Bon, on va faire le châssis. Parce que les roues, il y en a marre. Attends. Ah oui, ouf. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elles étaient... Bzz, bzz, bzz. Donc, on va se créer un nouvel objet. Bah, ça va être un cube. Hein. Moi, j'aime bien travailler à partir des... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh. Non, non, j'ai rien fait. Je suis innocent. Hop. Shift... Ah, c'est Alt A que je fais. Shift A. Shift A, mèche, cube. Pouf. Oula. On va le déplacer parce qu'on va, on va le mirorer aussi, celui-là. Salut, sacripant. On va lui faire un... Pop, pop. On va le mettre un peu à plat. En fait, il faut que ça ait cette épaisseur-là. Ça va être le châssis extérieur. Voilà, à peu près. On va le redescendre. Ah. Ah, j'ai toujours la... Donc, Shift Tab, j'avais toujours l'aimantation active. Et ça, ça te fait des drôles de trucs. Hein. Peut-être un chouï plus gros. Pop, 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 pop. Je vais surtout passer en mode objet. En mode truc. Alors, il va jusqu'où, notre châssis? Il va jusqu'à l'arrière, là. Hein. Donc, Alt Z, on va choisir ces points-là. Et ça, GX. Allez, on tire jusque-là. On choisit le devant et on va aller GX. Ah, GX. Voilà, on va aller jusque... Jusque-là. Alors, au niveau largeur, il est un peu large. Hein. Et c'est là que on va peut-être utiliser... en background une des images qu'on avait tout à l'heure. Je repasse en mode édition. Shift A. Image. Background. Et je veux Crampton. Alors c'est pas la même Crampton. Mais c'est pas grave. On va faire avec. S'il faut employer, je t'embauche. Ah. On va... Oh, elle est pas droite. Ah! C'est pas grave, on fait un petit coup de rotate. Pop, 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 pop. On remet l'axe nickel. Pouf, voilà. Et on va la changer de taille, puisqu'il faut que... On a l'écartement des roues, ici. Ah. On va la remonter jusqu'à... Alors ça, j'arrive pas bien à centrer. Je sais pas si c'est faisable. Donc j'y vais par petites touches jusqu'à ce que l'écartement des roues soit à peu près correct. On peut aussi se baser, parce que là il y a des cotes. Donc on sait que là ça fait 1m605. Bah du coup j'ai beaucoup plus là. Ah ouais, parce que 1 mètre ça fait ici. Non, 1m6. Ouais, j'ai 1m7 là. Donc il faut que je diminue. Je suis à peu près du... À chaque fois je remets. Bah 1m6 là. Hein. Toc toc toc. Et là j'ai 2m3. Ah, j'ai 2m4. C'est étrange, le 1m6. Il est... J'ai presque 2m5. Un truc, hein. Le dessin s'est fait déformer lorsqu'il a été scanné, ça. À tous les coups, hein. On va se baser sur l'écartement des roues, hein. Parce que là, je me suis mis sur les 2 mètres. Ah non, au fait, j'ai dit une bêtise. 2 mètres 330. Oui, si, j'ai 2 mètres 5 là. J'ai 25. 2 fois 25, ça fait 2 mètres 50. Là, j'ai 1 mètre 6 par contre.
Donc je pense que les côtes, elles sont 4 mètres 1. 4 mètres 1, je suis à 3 mètres. Non, car le 0 de la côte en bas a la même proportion que le 0 de la côte verticale. Oui, sur un plan. Mais là, le plan, il m'a l'air. Déjà, t'as vu, c'est tout bancal. Ici, c'est droit. Ici, c'est de traviole. Non, mais. À la base, c'était un plan côté, quoi. Puis après, ils ont un peu trop joué avec le scanner. Parce que là, le 4 mètres 1, il fait 3 mètres. Il fait 3 mètres 90. Et vu l'écartement, j'aurais plus tendance à me fier au 4 mètres 1, moi. Oula! Je suis trop près du truc. Là, j'ai mis un gros bazar. Alors, attends, 4 mètres 1. On va être pas mal là. Et l'écartement est pas mauvais. Donc, on va dire que c'est ça. Donc, mon châssis, il arrive là. À peu près. Bon, de toute façon, c'est pour avoir un ordre d'idée, hein. Allez, on rebascule en mode. J'ai. Non. J'ai Y. Pop, pop, pop. Voilà. On le ramène à cette largeur-là. Et puis, en intérieur. Non, il n'a pas besoin de venir toucher la roue. Hein. Il peut être assez loin, en fait. Hein. Quand même qu'il supporte les boîtes parce qu'il va y avoir les ressorts pour les boîtes de suspension. Alors après les suspensions sur cette machine, mais bon la photo est pas. C'était quasiment toujours des suspensions à ressort. Donc normalement on les voit bien. Là le problème c'est qu'on voit rien. Les boîtes sont ici. Elles coulissent dans ces deux trucs triangulaires là. Ici et ici. Ça c'est la boîte. Donc ça coulisse. Au-dessus il y a une tige qui vient s'appuyer sur un ressort à lame, qui est fixé à deux endroits dans le truc. Alors ce qu'il y a, c'est que là, il y a le mécanisme du tiroir. Ça, c'est le tiroir, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans une distribution Stephenson. Je vous remonte la... Oups. Ah, j'ai perdu la distribution Stephenson. Elle est où? Viens là, petite distribution Stephenson. Hein. Hop. Dans une distribution Stephenson... Bon, ben là, en plus, on voit bien que le tiroir est deux travioles par rapport au cylindre. Ben, c'est exactement cette disposition ici. On a le cylindre, il est derrière. Il est dans le châssis. On voit qu'il est riveté là. Pop, 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 pop. Et il appuie. Donc, il coulisse ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Et la bielle motrice est là. Donc, là, ça, c'est le tiroir. Avec la commande de tiroir qui est ici. Et les deux excentriques qui sont là. Pop, pop, pop. Art, c'est pas le nom du logiciel. Non, le nom du logiciel, c'est Blender. Blender 2.8. Art, c'est la catégorie. Parce qu'il n'y a pas de catégorie Blender dans. Il y a plein de cat... Il y a la catégorie pour tous les jeux que tu veux et que tu souhaites, mais il n'y a pas de catégorie Blender dans Twitch. Donc pour l'instant on va faire comme ça. Ici il faut lui faire de la place de toute façon. Le châssis n'est pas forcément super épais. Hein. Après il y a juste des entretoises qui permettent qu'il soit maintenu, mais sinon c'est tout. Hein. Ici à l'intérieur il n'y a pas de. On voit la boîte à feu là, le fond du foyer là qui récupère toutes les cendres ici. La boîte à fumée ben on la voit pas trop. Elle est pas profonde. Mais bon, elle est là. Hein. Elle est pas très très grande. Parce que là, ça, normalement, c'est la chaudière. Pour les trucs de base, quoi. Pour le Z que tu veux marquer sur la loco, tu peux tourner le N de Nord, ça fera Zord.
La Z au motif. Bien vu, c'est Jean. Bien vu, bien vu, bien vu. Donc, je ne vais pas le faire trop épais, lui. C'est un support de châssis, quoi. C'est un longeron. Donc devant, il va y avoir une traverse. Il va y en avoir une aussi derrière. Et on va mirorer tout ça, hein, bien sûr. Maintenant que j'ai l'épaisseur, je pense que je vais la prendre. Et puis je vais la copier. Copie, c'est Shift D. Web. Rotation sur Z 90. Pop. On va peut-être la raccourcir un peu. Poup. Ouais. Ah non. Un petit coup de L. GX. GY. On va la ramener là, on va fusionner tout ça. Poup poup. Shift Tab, on remet l'aimantation. GX, pouf. GY, pouf. Pourquoi c'est pas pile poil, pile poil? C'est quoi ce pins? Qu'est-ce que c'est que ce brin? Bon là, dans ces cas-là, je m'embête pas. Hein. Ce point-là, je vais le fusionner avec celui-là. Donc je clique sur celui-là. Je clique sur celui-là. Altem L. Oh, c'est tout de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est elle qui est de traviole là. Mais pourquoi il me fait un truc comme ça lui? Bon, de toute façon, lui, je vais le positionner ici. GY. Celui-là, ici. Pop. Ici, je fais un dissolve vertice. Ici, dissolve. Ah ouais, carrément. Donc, c'était pas ça qu'il fallait faire. Alt M ramène au milieu deux points, de deux points. Ouais, mais ce que je voulais faire, c'était une coupe comme ça. Bon, c'est un peu compliqué ce que je veux faire, hein, mais après, je peux recréer. De toute façon, faut que je recrée toutes mes faces, hein. Donc, je peux faire un dissolve. J'ai toujours voilà. Et celui-là, on le supprime puisqu'il sera clippé. Il y a probablement moyen de faire beaucoup plus simple. Hein. Je pense que je me suis pas bien pris. On va essayer de l'autre côté refaire la même. Voilà. Parce qu'en fait, si on ajoute, si on met l'effet miroir sur Y. Pourquoi il est là l'autre?
Alors attends, cette origine toute 3D curseur, voilà qui va être beaucoup mieux. Hop. Alt Z, tac, ça je le prends. GY. Ah, il est pas en clipping. Clipping. Vous avez vu, quand il n'est pas en clipping, il traverse. Alors que quand il est en clippé, les deux faces viennent de se clipper. Bon ben voilà. Donc il faudrait ici. Alors ici, vous avez vu les roues. Le châssis s'arrête là et les roues sont là. Vache. Il reste quoi pour passer ici? Sinon, il y a une autre possibilité. Hein. En fait, c'est plus simple. Il faut sélectionner la face. On revient en 1. On fait un extrude X. Et donc là, on va être un peu plus grand, mais on va revenir après. On va lui donner une certaine épaisseur. Je sélectionne tous les points ici. Et je reviens GX. Je reviens là. Pop, pop. Voilà, comme ça. Pouf. Et je reviens sur cette face là. Donc je resélectionne les faces. Je sélectionne celle là. Et je vais faire un extrude Y pour revenir au centre. Et hop. Voilà. Clip. Ça s'est clippé. Et là on voit qu'il y a une face. Donc X. Non. X only face. Et pouf, elle est supprimée. Donc là vous allez me dire, oh, alors vu de dessus, oh mais il y a drôlement de la place là, ouais mais c'est normal, il y a la bielle motrice qui doit passer, plus les excentriques. J'ai une vue de dessus d'une Crampton. Alors vous voyez, vue de dessus, donc on a la cheminée qui est là, le régulateur, les soupapes. Ici, on a la roue motrice, les roues motrices qui sont cachées ici sous leur capot. Donc, on va avoir un premier niveau de bielle motrice ici, qui sont dans la prolongation de la tige du piston. Et ici, on a le piston. Les tiroirs sont sur le côté, c'est les carrés blancs là, et on voit la tige du tiroir et on voit les deux excentriques de la distribution Stephenson. Alors si on veut le faire dans la totalité, ça va être compliqué puisque les Stephenson, la distribution Stephenson n'est pas gérée par Immersive Railroading. Donc en fait, ce qu'on va se faire, c'est surtout la bielle motrice, quoi. Donc il va falloir faire un petit goupillon excentré de l'axe. Ils sont calés les deux à 90 degrés. Donc il faudra le faire une fois qu'on aura appliqué le miroir. Et puis ça va le faire. Voilà, 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 voilà. Alors on voit ici, sur ce plan-là, mais qui n'est pas une Crampton Nord, hein, je crois que c'est tiré du brevet de la Crampton. On voit la lame à ressort ici, on voit un ressort qui supporte l'essieu moteur, donc les ressorts sont intérieurs. Par contre, pour les deux roues avant, qui supportent le poids de la chaudière, les deux ressorts sont extérieur. Celle de la distribution, je peux la mettre pour déco. Ouais, mais elle va pas tourner, alors ça va faire bizarre. Je sais pas, je... Je préfère ne rien mettre. Enfin, je sais pas encore, mais je préfère ne rien mettre plutôt que de mettre un truc qui va être bancal. Alors après le reste des longerons, parce que là il y a des longerons pour maintenir un peu toute la structure, bah, faudra voir avec le... Alors en mécanisme intérieur, il n'y a rien. Donc... À part les essieux qui passent, ici la boîte à feu. Ici on aura les blocs cylindres dans le truc. On aura forcément des longerons dans le coin ici. Probablement un ici pour venir aider à maintenir la boîte à feu.
Puis là, avec la roue, ben, c'est coincé, hein, y a rien. Il n'y a rien qui peut passer. Hein. Là où il y a une roue, on peut pas passer de longeron. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Combien de temps il reste? Encore 6 minutes. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Il va falloir commencer à se positionner le... Donc ce cube là on va l'appeler châssis. Donc ça va être frame je crois dans le code de Immersive Railroading. Mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Ouais, je crée une locomotive pour Immersive Railroading, donc pour Techtopia. Ça sera la prochaine locomotive à voyageurs, ça sera une Crampton. Pour l'instant, j'ai fait une roue surtout, ouais. On va aller chercher. Append. Ah, il faut que je sois en mode objet pour les append. Append, append, on va aller chercher une bielle motrice. Bielle motrice. Hop. Oh, elles sont pas terribles celles-là, elles sont tordues. Ah, j'en avais d'autres. Ah, il faudrait que j'aille chercher les bielles motrices de la 030T. Donc, append. La 030T. Object. Bah, allez, voilà les codes, les fameux codes pour Immersive Railroading. Donc, les roues motrices, c'est wheel driver. Et le châssis, c'est frame. Donc, moi, ce qu'il me faut ici, c'est la bielle motrice, c'est main rod. N'importe laquelle. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est ça c'est de la bielle motrice. Ça. Donc ça, on le dégage. Et ça, en plus, celle-là, elle est pas. Donc, GY. Oula, je suis toujours en. Alors, elle est contre, hein. Les excentriques étaient à l'extérieur. GX. Alors, dans Immersive Railroading, dans l'objet, il faut lui représenter le mécanisme qui est complètement à l'arrière. Donc là, on va le représenter à plat. Donc je vais lui donner une petite rotation pour le remettre à plat. Parce que sur la 030, il était de traviole. Hop, voilà. Alors GZ, il est dans l'axe de la roue. Et ici, pop. Il va falloir calculer. Ici, il est là. Donc il va falloir calculer le rayon qu'on a ici pour l'appliquer ici. Chose qui va pas forcément être évidente, mais bon. Là, je le fais grossièrement. Et puis, je repasse en mode. J'enlève le châssis. Je vais sélectionner tout ça. On enlève ça. Et je pense que le point d'accroche, il doit être à peu près par ici. Donc c'est une longue bielle motrice. Voilà. Ça doit être dans ces eaux-là. Et vu la taille qu'elle fait, ça a l'air de correspondre. Donc de l'autre côté, on aura la même. Donc là, il va falloir se faire un... Il va falloir déformer la roue.
avec une excroissance qui va pouvoir maintenir l'axe dans lequel on va accrocher la bielle motrice. Mais on verra ça le prochain coup. Prochain coup fera peut-être accélérer. Hein. Prochain live Blender, ce que je ferai, c'est que j'aurai fait toutes les autres petites roues. Hein. Vous avez vu le système, on va pas repasser 2 heures à chaque roue. Bon, sachant que là, normalement, je devrais accélérer le mouvement. C'est des 12. 12 rayons, donc je vais faire des roues de 24. Quoique 24, ça risque d'être assez grossier. Je prenais souvent du 32. Euh, 3 x 12, ça fait 36. Ou alors je prends du 36. Parce qu'un multiple de 12, ça devrait le faire. Bah, j'essaierai avec 36. Sinon, pour le temps d'air, qui a des toutes petites roues, je peux faire un classique append. Donc je vais plutôt reprendre mes objets Blender. Et on va reprendre des roues de 1m12 à 12 rayons. Hop. Ah non, elles sont petites. Ah vache. Alors le problème de les agrandir, c'est faisable, mais du coup on agrandit aussi ça quoi. Et normalement ça c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 4. Ah, c'est des 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est des 36. Ok. Ok, Dac. Bon, bah, je referai des 36. Parce que là, je le vois mal. Parce que ça va vraiment être grossier après. Hein. On peut le faire en démo. Hein. Donc on fait une échelle, donc S sur le X et sur le Z, donc S Shift Y, et là je replace ça. J'ai fait un peu trop gros. Donc S, Shift Y. Hop. Hop. On le voit peut-être pas, hein, mais ça fait quand même... vous voyez, c'est assez fin hein, sur les photos. Alors que là, du coup, c'est beaucoup plus gros, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a possibilité de pouvoir agrandir en se disant... je veux pas agrandir ça. Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça existe. Vous voyez comment je faisais les trucs au début. J'avais plein de N, de polygones à plus de 4 côtés qui restaient. Et puis, on voit ici les rayons qui rentrent dedans. Barc. Non, je vais les refaire. Je vais les refaire complètement. Et puis... Alors... Dans la modélisation, je vais faire la loco et son temps d'air, et après je diviserai en deux fichiers, puisqu'il faudra un fichier pour... Ou alors, faut que je regarde si je peux exporter uniquement la loco, puis après uniquement le temps d'air. Ah, merci Leto. Merci, merci. Je regarderai ça. Donc cette roue là, pof pof pof, pas terrible. C'était mes premières roues que je faisais. Elles étaient pas terribles. Hop, on va les refaire. Voilà, parce que c'est comme ça. Hein. Celle-là elle est quand même drôlement... je suis quand même drôlement plus content que moi. Après il y a des roues rigolotes avec les vilebrequins, avec les mouvements intérieurs. C'était dans laquelle... Dans la...
Ah ben dans la 111. Faut que je sauve. Alors attends, je vais sauver. Il m'a pas changé du coup. Open récent. Oui, la 111. Hop. Alors, on va enlever la cabine. On va enlever la boîte à feu. Et puis, ça fait déjà pas mal. Donc, là, je m'étais assez bien amusé à faire le vilebrequin du mouvement intérieur. Mauvais plan d'exporter la loco et le tendeur à partir d'un même fichier. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que... Web. Salut Gigi le geek. Alors je fais des locomotives pour Immersive Railroading. Mais là, je vais partir en goûter et dans 5 minutes, on part sur Techtopia Railroading. Donc là, je m'étais bien amusé à faire ça. Hein. Là tout le mécanisme avec les guides pour les tiges de piston. Bon, les ressorts, hein, je vous en ai parlé, c'est ces trucs là. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je m'amuse comme un petit fou, moi, avec ces petites locos là. Donc, prochain Live Blender, je sais pas quand est-ce que ça sera, parce que de toute façon, ces locomotives là, on n'en a pas besoin avant d'avoir fait Paris-Lille, hein, donc on n'est pas rendu, hein. C'est des ressorts de poids lourds, ouais. Ou les poids lourds ont des ressorts de locomotives, en fait. Parce que les locomotives sont arrivées avant les poids lourds. Suspension, ouais. À l'époque où elle roulait, il n'y avait pas encore de poids lourd. Le moteur à explosion n'avait pas encore été inventé, je crois. Hein. Il est plus tardif, le moteur à explosion. Hein. Ça sera toujours plus rapide que l'hôpital d'Amiens? Oh, c'est pas sûr, hein. 2 heures pour faire une roue. Hein. Champion du monde, le gars. Hein. Champion du monde. Bon, allez. Le problème, c'est que dans OBS... Ouais, je vais faire la petite pause. Je vais remettre les trucs. Tac, tac, tac. Je vais afficher le rendu. C'est quand même plus joli, hein. Je vais aller faire ma petite pause, manger la banane, tout ça, et on se retrouve pour Techtopia Railroading. Un bon goûter à vous, j'ai monté la musique, et puis ah, est-ce que je peux mettre le... Ah non, je vais pas pouvoir le mettre. Parce que l'OBS, mon OBS est bloqué, hein. Donc je le laisse sur cet écran et on se retrouve tout de suite. Ne lâchez pas la barre, allez goûter. C'est important le petit goûter.